Salut à tous et bienvenue sur MC Aventure. Là, on rentre de la sortie que vous avez sûrement vue sur la chaîne où on était avec les deux VTT électriques en forêt. Et on a une surprise, il y a quelqu'un qui nous a déposé encore un colis. Il semblerait que ce soit un vélo encore. Un de plus. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, on n'a pas la moindre idée. Franchement, je sais plus qui m'a envoyé ça. Mais donc, vous voyez, il est encore dans le carton. C'est ça. Donc, c'est un fat bike électrique. Client. En 20 pouces. Et j'ai complètement oublié qui m'a proposé ce modèle. Il va falloir que je regarde dans mes mails. Et je pense en fait que c'est vraiment une société ou un distributeur qui a dû me proposer ça il y a super longtemps. Et j'ai complètement zappé, quoi. Donc là, on est exactement comme vous. On est dans le mystère. On ne sait pas ce que c'est. Bon, on sait quand même que c'est un fat bike électrique en 20 pouces. Ça, oui, à première vue, c'est ça. Bon, donc vous voyez, on n'a même pas eu le temps de ranger les deux vélos. Hein. On arrive à peine. Et maintenant, encore couvert de boue d'ailleurs. C'est ça. Et maintenant, faut qu'on se grouille de monter ça pour pas se prendre la flotte. Alors ça, c'est le non, c'est quoi? Oui, c'est le chargeur. On a un support smartphone, des outils, le câble, les pédales. ADS Oasis. Ouais, c'est ça. Ouais, ADC ou DS. DC Oasis. Je sais pas comment on dit, ouais. J'en ai aucune idée. Et franchement, cette marque, ça me dit rien du tout. Quoi. Je me souviens vraiment pas qu'on m'ait proposé ça ou qui m'a proposé ça. Ah, t'avais écrit un autre bouquin en dessous. C'est le guide de montage rapide, je pense. C'est ça, c'est le guide de montage. C'est en français. C'est bien qu'il y ait le français. Les marques ne le proposent pas. Bah, on va déballer ça, puis le monter. C'est le con qui me garait sa bagnole, là. C'est clair. C'est comme ça quand c'est neuf. Ah, la béquille est pas montée, ça, c'est une première. Ah. D'habitude, ils sont toujours montés. Ah bah, ouais. Ça fait chier, parce que là, j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Enfin, sinon, on va essayer de la monter tout de suite. Oh, j'ai fait une rayure, putain, le con. Oh, quelle connerie. Oh, le débile. Oh, le débile. C'est bien. Oh, le débilos. Il a perdu toute sa valeur. Fous-moi ça à la poubelle. On dira qu'il était comme ça, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. C'est la première fois que je suis dans ailleurs comme au déballage, moi. C'est The Beast. Voilà, avec la béquille montée, on est mieux. Et les poules, sont là. Elles sont parties en voyage. Ouais, c'est vraiment rapide à monter, celui-là. Hein. ADC Oasis. Ça te parle pas du tout. Non, moi, j'avais complètement zappé ce truc. Hein. Oh, putain, on dirait des clés de moto. Même des clés de bagnole. Ah ouais, ouais, c'est clair. Ah, par contre, elle reste pas. Elle reste pas captive. Et là, t'as une vis à serrer, c'est ça? Donc voilà pourquoi c'est la merde. Parce que tu dois serrer cette vis-là. Ouais. Mais en même temps, quand tu visses ton guidon, il est comme ça. Donc tu sais jamais si c'est droit ou pas. Donc faut y aller à tâtons. Ah, okay. Tu le fais une fois, petit peu par petit peu. Enfin, c'est une galère. Donc là, je suis à peu près droit avec le guidon. Est-ce que comme ça, c'est droit? Pas tout à fait. Là, c'est pas mal. Ça te paraît droit? Ça m'a l'air d'être pas mal. Bon, finalement, ça m'aura pris beaucoup moins de temps que prévu. Et tu l'as bien serré? C'est un système où en serrant, ça écarte une pièce en métal. Bon, là, je peux pas serrer plus que ça, sinon je pète tout. Ouais, bah, ça sert le mieux que sur le glacis. On va pas commencer à gueuler, non? Ouais, là aussi, il y a une prise USB. Ah, une USB type C, en plus. Ah, c'est pas mal, ça. Shimano. Commande hydraulique? Non. Ouais. Si. Ça a l'air. Ouais, commande hydraulique réglable. Ça se trouve, c'est un truc bien, en fait. J'ai complètement oublié ce truc. Pourquoi, en fait? Parce que tu pensais que c'était un truc de merde, c'est ça? Le mec, on lui donne un vélo, il dit que c'est un truc de merde. Ah non, non. J'ai pas encore testé. Je dis pas que c'est de la merde. Je dis que ça semblait être de la merde. Ah, d'accord. Il y a une nuance, quoi. Il y a une nuance, voilà. Ça ressemble à un truc pas trop quali, quoi. Ah, quel beau vélo. C'est de la belle merde. Non, non. Non, il a l'air d'être sympa. En fait, la peinture, tout ça, ça va. Ce que j'aime pas, c'est la couleur. Et puis le logo en gris, ça fait banal, quoi. Ouais, j'avoue. Ça fait banal. Et il n'y a pas le nom du modèle d'affiché dessus? Non, sur l'autre côté, tu as Cross Your City. C'est un espèce de slogan. Et il est déjà prêt à l'emploi, du coup. Ah, ouais. Il s'allume. Écran couleur. Écran couleur. Là, on sent l'outil de qualité qui servira souvent. On dirait un batarang de Batman. Un peu, ouais. J'avoue que si tu te le prends dans la gueule, ça doit faire le même effet, quoi. Ah, je pense, ouais. D'ailleurs, on va le tenter tout de suite. Alors, vous verrez le résultat sur TikTok. Ça se plie si nécessaire ou pas? Oui.
Alors c'est parti pour le bêta test. Bon, je vois déjà que la selle est pas tellement bien réglée, mais c'est pas grave. Ouais, on va pas s'embêter pour ça. Hein. On va pas se formaliser, non. Erreur 02. Ah non, c'est parce que je freine. Ok. Ah oui. Ok. Allez, on essaye. Allez, vas-y le costaud. Allez, tourne à gauche, hein. La selle est vraiment très basse. Pourquoi il part pas le truc? Mode 2. T'avais combien de modes? 3. C'est moi ou il n'y a pas de puissance? Ah, je sais pas. Ah, en 5, ça y est, ça part. Il n'y a pas de gâchette? Non. Ouais, la selle est trop basse là. Vraiment trop basse. Tiens, vas-y, serre ça. Vas-y, champion. Donne tout. Hop. Il va finir dans une bagnole tout à l'heure. J'espère que ce sera pas une des miennes. Putain, il a la niaque à mort. Il part à fond. Mais t'es en mode quoi là? 5. Ah bah le mec il se met à fond direct. Il torche le mec. J'étais déjà à 25. Hein, sur le bah vas-y, va faire un peu sur la route. Ouais, il reste de la batterie. 7%. Non, ça va le faire. Allez. Et eh bien, il a une niaque au démarrage qui est assez violente. Par contre, vers 22-23, ça se calme d'un coup. Et, il est bridé à 25. Ouais, ouais. À 23, à 24, ça fait. Mais il part comme une fusée. Enfin, je trouve qu'il part bien. Tu veux essayer? Ouais. Alors, attention, je crois que le nom du truc, c'est Beast. Ah. C'est la bête. Allez, vas-y. Alors, attention, il n'y a plus que 5%. Et puis, on va se prendre la flotte. Allez, c'est parti! Oh, la selle est trop mal réglée! Oh, c'est pas grave! Oh, il est bien! Je crois qu'il a dû se perdre il y a un coup. Ah, je l'entends. Mais c'est l'aigle de la route! Oh putain! Alors? Franchement, ouais, il a l'air de bien marcher le truc. Hein. Il a la niaque, hein? C'est T'as clair. Vu comment il part comme une fusée? En fait, il est énorme le truc. Hein. Non, t'es bien dessus. Hein, il est quand même assez haut. Bon, ça par contre, faut la régler. Hein. Là, c'est n'importe quoi. Elle est carrément en billes, les trucs. Mais ouais, ouais, franchement, il a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air d'être un bon truc, hein, clairement. Bah, je le mets dans la collection. Voilà. Voilà pour le ADC Oasis. Si vous connaissez ce vélo, dites-nous-le dans les commentaires. Un petit abonnement, ça serait pas de refus. Un petit like aussi. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut. Salut.